Jeudi 27 décembre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue à Édition 10. Le président de la République est allé exprimer sa solidarité aux responsables de Radio Télé Kiskeya ce jeudi 27 décembre 2018. Sur les ruines de ce groupe de médias ravagés par un violent incendie vendredi dernier, Jovenel Moïse a dit son regret à Liliane Pierre-Paul et Marvel Dandin. Le chef de l'État a trouvé un mot de réconfort pour tout le personnel de Radio Télé Kiskeya affecté par l'incident. Autre nouvelle, les travaux d'infrastructure se poursuivent à Corail dans le département de la Grand'Anse. Le tronçon de route qui relie Carrefour-Charles et la ville de Corail a connu de grandes améliorations pour la circulation des automobiles. Cette série de travaux se réalise dans le cadre de la caravane du changement. Suivant. Travail est un travail que au pape voit dans le côté du pays d'Haïti. Ou à Bouenni Jacmel, ou à Bouenni au Cap-Haïtien. Et que nous-mêmes, modèle que nous choisissons, c'était modèle au Cap-Haïtien. Et dit que ça, l'a fait pour plusieurs raisons. Premièrement, aucune ville là, nous voulons élargir. Élargir ville là. Et ensuite, tout. Lorsque vous avez sorti Jérémy, donc on n'a pas besoin de rentrer dans la ville là. Donc on a plusieurs possibilités. Travail ça, c'est un travail qui est louable. En question de travail, on est capable de voir que tout le monde qui l'a. C'est parce que vous avez travail qui a fait l'accès au Vinna. Et mairie avec député, que nous mettons ensemble. Et nous remercions le président tout. L'homme arrive à Corail en pensant que la route là a fini et que je vais rentrer dans la route qui m'y a. L'homme garde moi là, c'est pire mal que toute route qui était hier dans la partie Gradas, Carrefour-Charles que je m'étais fait. Alors je dis. Là, moi, yon activité comme ça, un mouvement comme ça, mais je ne peux pas exprimer joie parce que li pas assez avec mots seulement. Parce que nous passons en pile misère dans la route. Je me souviens longtemps, même l'on moun mouri, c'est son moto, y a billet moi, on famille et moi de elle, et puis chauffeur moto à devant. Son travail, nous vraiment prend à cœur l'encourage. Quelle que soit l'idéologie politique, moun nan. L'idéologie sociale, il pas capable mais ça qu'a fait là automatiquement son monde qui gagne bon sens qui gagne colonne vertébrale ça qu'a fait là c'est un littoral qui a protégé ville là et qui a attiré touristes viennent garder ville là viennent détendre viennent prendre plaisir au bord de la mer. Oui, motocyclette pas qu'on voulait faire course entre Corail. Donc nous mêmes nous entendons avec la mairie, nous entendons avec les citoyens. D'abord pour nous faire comprendre l'importance de la caravane, pour nous faire comprendre qui ça lié pour nous, parce que la stratégie de la caravane en soi est une très bonne stratégie. Et, mais il demande pour que des gens, que les autorités localement qui accueillent, qui encadrent et qui permettent que l'aller côté de Corail. Et c'est exactement ça nous fait Corail. Et c'est ça qui fait que je dis, nous passons de communes qui étaient plus mal là, donc communes qui n'ont plus pas de route dans le département de Grand-Anse, pour je dis, nous ces communes qui ont plus route dans le département, commune qui a une meilleure route dans le département. Parce qu'à partir de Jérémy, sous les fonds de comparaison, il est beaucoup plus facile de Jérémy pour aller Corail que pour aller n'importe quel autre côté dans le département. Et Dame Marie est difficile, Anzeno difficile, Les Ewa difficile, Abricot c'est la même chose. Donc nous-mêmes, après un an de travail, où est-ce qui différent ce que fait ce quoi? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire si caravane non. Et après Corail, il t'a concentré sur continuité sous département, concentré sur l'autre. Et si j'aimerais que établi au niveau national que tout côté de Dimitri avec fait là, je pense que au bout de un an, il faut que nous ayons un gros changement. Autre point, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, a réalisé le week-end écoulé une visite d'évaluation de plusieurs chantiers lancés dans le cadre des réponses au cyclone Matthew. Parmi ces projets, notons le projet de protection, de réhabilitation des espaces touchés par cet ouragan. Suivant. Avant Matthew, nous avons produit peu, parce que nous n'avons pas de quantité vraiment. Côté que élevé, pas de conserver les laiteries. Là on fait formation pour dire l'étri mais au bout de coconné qui ça l'étri a petit yo yo même personnellement yo tient à ce que faut aller vers l'avant éleveur yo même là par exemple et yo pas touché c'est yo vle bénévolat yo bali après ça yo même yo fait nous paye le mois tant que yo pas vendre c'est client yo abonné et puis le mois on paye
nous même yo même élevé pour yo même au cas font interview avec yo qui ça l'étria là qui ça l'étria aider après match là quand même nous vinn produit lettre quand même nous vinn produit plus lettre mais ça fait nous pour qu'on avait plus toujours c'est parce que en pile bœuf yo vinn arriver plein qui cause nous pas voyer plus lettre dans l'étria nous bail plus lettre vu que nous pas parler de l'autre groupe qui est opposé pour nous permettre que presque chaque mois nous allons déposer près de 10 à 15 000 dollars dans la caisse populaire dans le produit que nous prenons sur DCPA. Nous avons un gros remerciement à spécialement FAO et PADI dans bien fait ça qui était fait pour nous. Nous venons au Port-au-Prince, nous venons à l'autre machine qui vient acheter nous venons nous Jérémy tout. Là nous avons aller nous chercher nous saler nous chercher nous laver et puis nous venons aller. Il y a deux résultats dans quatre projets qui dépassaient largement que nous atteignons cible et largement nous dépassons cible qui était fixée dans quatre projets. Ma personne là m'apprend par exemple résultat 1 lui-même qui était poursuivre. En fait, réhabiliter moyen d'existence de 3 300 ménages, mais dans le cadre projet, nous dépasser, nous atteindre plus que 4 500 ménages. Et donc, nous gagnons activité diversification, en fait, source de revenus de ménage, qui, là-dedans, l'entrée, activité pêche, activité de transformation et de cassave, activité de transformation de fruits et de activité de transformation de manioc, excusez. Donc, nous voyons que, en fait, c'est des activités qui sont bien ancrées, qui sont bien adaptées, donc, qui n'ont pas aucune raison pour qui pas poursuivre après projet. Parlons sécurité à présent. 96 arrestations, 2 kilos de cocaïne saisies, 5 493 dollars américains, 3 500 dollars jamaïcains, 8 armes, 14 véhicules confisqués. Tel est le bilan des opérations menées par la direction. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, indique que 5 des individus arrêtés sont impliqués dans des cas d'enlèvement, de séquestration contre rançon, tandis que 5 sont interpellés pour viol sur mineur. L'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers. Il y a 14 véhicules confisqués, 4 motos, 3 bateaux, une chaloupe, 2 kilos de cocaïne. 3 500 dollars jamaïcains, 23 515 goudes, 8 âmes saisies par la DCPJ. Nous avons noté tout que nous recensons 5 cas d'enlèvement et séquestration contre rançon et tout présumé ça a arrêté, 5 cas de viol sur mineur, auteur a arrêté, en total, il y a 96 arrestations qui faites pour bilan du 1er octobre à date. Y compris bilan, justement, opération ouragan que DCPJ lancé le 1er décembre. DCPJ arrêté pour implication présumée. Enlèvement, séquestration, le véhicule, association malfaiteur, assassinat. Rénal Joseph, ligon l'autre nom crélé James Jules, ligon l'autre nom encore crélé Jean-Carlo Joseph. Il y a 36 ans, également évadé de prison. Édouard Kerby Antoine, 38 ans. Turin Jean-Baptiste Lafleur. Ligotino Crélé Zico, 40 ans. Marcelin Saint-Fort. Ou Morlin Saint-Fort. Ou Max Saint-Fort. La fonctionnée sous trois noms, 48 ans. Éphésien Altéus, qui a 32 ans. Et Marcus Saint-Fort, 23 ans. Tout le monde a été arrêté pour enlèvement, séquestration, contre-rançon, vol des véhicules. Association malfaiteur, assassinat. Pour cas de viol, nous gagnons, j'en dis, 5 cas de viol que nous recensons, mais c'est de grands monde qui violaient de petits monde. Gagnons Mathieu Jean-Louis, qui a 60 ans, qui violait un mineur 16 ans. Nixon Marcius, 35 ans, qui violait un petit monde 15 ans. James Maurice, 28 ans, qui violait un petit monde 16 ans. Wendy Pierre Charles, 33 ans, qui violait Antimoun, 14 ans, gagné Rod Eddy Berson Jean-Jacques, qui gagne 20 ans, qui violait honte mineur de 16 ans, et gon mineur de 17 ans, pour raison protection Timoun, nous pas qu'à citer non, les gagne 17 ans, les mêmes violés en mineur de 8 ans.
Et puis sachez aussi que près d'une vingtaine d'individus sont interpellés à Petit-Gouave dans le cadre de l'opération policière baptisée Ouragan 2. Les agents de la PNH ont procédé à 7 arrestations et saisi plusieurs cartouches lors de cette descente des lieux. Parmi les personnes interpellées figure le nommé Jameson Pierre, accusé d'implication dans l'attaque perpétrée contre le cortège présidentiel le 3 décembre dernier, selon le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Gary Desrosiers informe que la zone de Savane Pistache est désormais sous le contrôle des forces de l'ordre. Gary Desrosiers. Opération Sahara, c'est opération conjointe BLTS, Gardecôte, était faite Saint-Louis du Sud, au CAI. Zone Sahara est connue pour gagner 5 armes qui saisies, 3420 cartouches de calibre 9 mm, 134 cartouches de calibre 38, 181 cartouches de calibre 762, 499 cartouches de calibre 556, 50 cartouches de calibre 40, 43 cartouches de calibre 45, 16 grammes de paille séchée testée positif à la marijuana, 5 493 $ américains, 3 500 $ jamaïcains, 22 000 gourdes haïtiens, 3 moteurs bateaux confisqués, 2 génératrices, 4 motos. DCBJ arrêté pour implication présumée pour assassinat, tentative d'assassinat, incendie criminel, vol à main armée, attaque contre cortège président PIA, Jameson Pierre, NJ Xavier, Nickelson Nelson, Josué François, Pouchon Jean, Manel Lundi, Emmanuel Charles, Sensini Jean-Claire, et Bergelin Étienne, arrestation en fait le 3 décembre 2018, dans le cadre d'opération Ouragan 2 que DCBJ lançait. Et DCBJ arrête encore pour implication présumée dans disparition, complicité de vol à main armée, tentative d'assassinat Ricardo Saint-Cyr, Hérode Clairvaux, Angenor Fontus, Ronald Yacouadebouquet, mené opération et arrêté et transféré dans DCPJ Edson Pierre alias Tiga pour implication présumée dans assassinat qui était fait sous Jules Pierre le 24 mai 2018 à Santo 19. Et gagné 19 interpellations qui fait l'Antigouave pour implication présumée dans assassinat qui était fait sous policier Enoch Pierre, bandit assassiné policier ça le 3 mars 2015 dans Miragouane. Éducation, les résultats du bac permanent sont disponibles pour l'année académique 2017-2018 pour deux départements scolaires, à savoir le centre et le sud-est. Le processus de correction se poursuit entre-temps pour les autres districts, informe le directeur départemental de l'Ouest du MENFP national et de la formation professionnelle. Cette précision. Nous avons très avancé dans le processus de correction, puisque sous 8 matières, ou bien jury, nous avons 5 qui terminent complètement et nous avons mathématiques qui pourraient terminer, que ça veut dire nous avons 6 sur 8 et l'autre 2 a fini demain matin. Et cet après-midi à 3 heures, nous avons commencé avec le processus et troisième correction et nous avons commencé avec la physique à 3 heures cet après-midi. C'est demain matin, correction a pris fin, mais là nous finis des notes au Binex. Tout écart de notes de 26 points entre deux corrections pour le subir une troisième correction. Et ça fait cet après-midi, nous avons environ une centaine de copies de physique qui pourraient aller dans la troisième correction après-midi. Et demain, nous allons gagner l'autre matière. Et samedi, nous avons terminé avec le processus. Département centre et département sud-est. Et résultat au grand temps tombé, nous allons comprendre ça tout par rapport à la quantité de monde. Mais nous avons plus de monde, 12 541, par rapport à deux départements, ça a eu 700 et quelques, et l'autre a 1200. Et si nous prenons le résultat, il est catastrophique parce que l'on a moins de 50% de monde qui réussit. Pour centre, c'est 38% et pour sud-est, c'est 15 et quelques%.
Donc, ce n'est pas des résultats satisfaisants. Alors que Mapton l'Ouest tout, puisque d'ici samedi, on aura en fait, en termes de pourcentage, ce que l'Ouest a donné avant la publication officielle des résultats. Donc, c'est l'Est à nous balconner qui ça l'Ouest baille en termes de score. Mais jusqu'à présent, ça ne sortira pas satisfaisant. Des kits alimentaires ont été distribués aux habitants de Village de Dieu ce jeudi 27 décembre 2018. Une initiative de la direction départementale de l'Ouest de la PNH, de concert avec l'unité et du pôle. Des enfants de ce quartier ont également reçu des jouets en la circonstance. Nous invitons à suivre. Les entrées dans le cadre social, l'activité sociale que la direction départementale de l'Ouest, et de concert avec la police communautaire et FAES, et qui était planifié pour nous arriver dans le village de Dieu. Parce que la dernière fois, nous avons fait une clinique mobile. Jeudi, c'est une journée récréative, côté que nous venons jouer une population village de Dieu, hein, côté que nous faisons un rencontre, nous faisons distribution de kits. Comme vous me dites, c'est FAES qui permet que nous sommes capables de faire distribution de kits. La police communautaire, direction départementale de l'Ouest, au commandement, a toujours accompagné dans toute activité sociale que nous avons pu faire pour nous combattre le phénomène d'insécurité. Moi, parce que nous avons fait une clinique mobile avec vous là. Nous venons là, nous consulter plus de 1500 personnes là. 6 personnes, grand monde, femmes enceintes, garçons normalement. Nous avons des médicaments normalement. Et nous venons là, nous séparer. Nous avons manger, nous avons jouer. Et puis nous avons des l'eau pour là, nous avons une animation là. Nous avons jouer au football. Ok? Il y a tout programme qui nous des nous et nous avons des pour là parce que nous sommes tous reculés. Ok? Et c'est grâce à la police communautaire. DDO, c'est eux qui permettent que nous-mêmes, en tant qu'agents communautaires, plus leaders communautaires bon, ici, nous mettons nous ensemble pour nous faire bosser ce travail ouais, après, là. Fête de fin d'année, la traditionnelle ruée vers la province se maintient comme notamment le jour de l'an auprès de ceux qui leur sont chers. Autre information à cette édition de nouvelles, le président de la Fondation Secours plaide en faveur des membres des différents corps de pompiers du pays. Réagissant sur l'incendie qui a ravagé la radio télé Kiskeya vendredi dernier, Gaël Pinson indique que le manque de formation des pompiers et de matériel disponible ont causé la perte des équipements de ce groupe de médias privés. Durant sa participation à l'émission Mise au point sur la PNH, M. Pinson a encouragé les décideurs à mettre sur pied un nouveau service de pompiers qui sera en mesure de répondre aux différentes situations d'urgence. M. Gaël Pinson. Tout n'est qui fait formation, mais il y a zéro. Même les qui déforment à le recycler. Nous vous disons à l'école. Ou même métier à l'école. Mais formateur n'est qu'à former les gens. Mais résultat. Nous toujours parler. Je dis, moi, je suis un qui est trop pointilleux. Je ne suis pas qu'à jouer avec les gens. Jouer pompier est bon bol, est bon loto. C'est vie moun, c'est vie moun m'a protégé. Ensuite, le doux oui pour Dieu trop cher. Pas que tu fais bon marché. Que vaut une vie humaine? Quand on va procéder de camion, il faut que quelqu'un qui conseille. Ou il y a bon, bon, même si on a un raqueteur, affairiste comme d'habitude, il va construire un camion en Haïti, sous l'équité. Sans qu'on ait un camion pompier, il va aller faire un camion. Maintenant, vous avez. Il va exploiter. Manque de formation décideur, ignorance, ou bien il va utiliser certains contacts politiques. Pour faire la quête, pour faire même baillot. Et puis, vie tout le monde en danger, y compris vie par yon. Business par yon en danger tout. Caille privé en danger tout. Tout le monde, par un monde qui est exempt. Parce que tu fais pas un sentiment d'appartenance. Qu'on riche, qu'on pauvre, qu'on noir, qu'on blanc. Qu'on PHTK, qu'on PL, qu'on Lavalas, qu'on n'importe la confusion. La boucan non même genre. Donc, il est temps, et m'a profité pour vous message à décider. Mais nous, la Fondation Secours Gaël Pinson, là, il faut commencer par la formation. Il faut commencer par la création d'une académie de pompiers pour former Mounio. Le président de la République, Jovenel Moïse, a visité ce vendredi 21 décembre la ville des Gonaïves. À travers ce déplacement, le chef de l'État a voulu s'informer de l'état d'avancement d'une série de projets en cours de réalisation dans le département de l'Artibonite. Le premier mandataire de la nation a pris aussi le temps de discuter avec les autorités locales sur d'autres projets socio-économiques qui vont être exécutés dans les prochains jours au Gonaïves. Suivons. Bonne carrière et marché de chus dans cette localité à Géonade. Et dans ta campagne, regardez, on va connaître nos palais. Si nous avons besoin de 4,
Gimbi, Wabi, Don Kakadigé, Mi Gimbi, Mandré, Brunet, Letiro, Damsoupi, Sadigé, Rochel, Bonkri, Belan, Taras, Jesus, Toifou. Ça veut dire que 14 locales. Là, je ne veux dire, bah, yo, en fin de l'Europe. Et je ne veux dire, même fait ça, nous va passer là, nous va penser dans tout le monde qui a passé, nous va penser dans même monde qui a assainissement, dans tout le monde qui a passé. Tout le monde qui a passé, nous avons 3, 4 qui a passé. Alors, bah, yo, fin de l'Europe. Use Letiro, use Sabilier. Nous et Brunet, nous en les 10 quenets. Plantation nous fait dans zone, nous fait aubergine, nous fait pitimi, nous fait pois. Nous fait pois haut. Nous fait pois haut, nous fait piment douce, zonion. Et Charlotte. Non. Oui, c'est pour placer contre l'ombre, nous c'est sous nous, nous gagnons de l'eau, c'est la vie. Depuis nous gagnons de l'eau, c'est la vie, nous gagnons. Merci d'avoir suivi Édition 10. Excellente soirée en compagnie de la chaîne de service public. Au revoir.